crois qu'il est temps de le réveiller, les gars. Émission dans 5, 4, 3, 2... Est-ce que vous êtes chaud? Bienvenue à tous dans The Biggest Loyalty Show. Ce soir, pour notre 100e édition, nous avons mis les petits plats dans les grands. L'homme que vous voyez ici est un violeur. Multi-récidiviste qui a de maintes reprises sévi dans nos régions. Rendant nos rues, nos villes, des endroits bien moins sûrs. Le tribunal l'a remis entre nos mains. Et c'est la justice populaire, la seule et unique vraie justice, qui va décider si cet homme doit vivre ou bien mourir. L'homme que je vous présentais, Eric Van Der Kolff. Petit rappel des faits, en 2020, il a séquestré et violé un garçon et une fille. Mais non! Mais cela ne lui a pas suffi, bien au contraire, puisqu'il a ensuite été mêlé à différentes histoires de séquestration, de viol et de tortures en tout genre. Voici donc les faits que nous reprochons ce soir à Eric Van Der Kolff. Avant de passer au vote, car oui, chers téléspectateurs, si c'est la première fois que tu vois l'émission, sache qu'elle est 100% interactive. Cela signifie que c'est toi qui l'as fait. Mais avant cela, nous allons écouter les dernières paroles de l'accusé. Sur ce, je vous demande un silence complet. J'ai rien fait. J'ai jamais touché à ces enfants. Jamais, vous m'entendez, c'est innocent! C'était leur prof, bordel! J'ai jamais touché à un seul de leurs cheveux! Vous vous trompez de personne! Bien, nous allons passer au vote, car le tweet « Eric doit-il mourir » vient d'être créé! Ce qui signifie donc, si vous voulez qu'Eric meure, retweetez! Si en revanche vous pensez qu'il doit vivre, favorisez! Nouveauté, nous allons lire ensemble en prime time les tweets les plus populaires juste après 2 minutes de publicité. Je vous laisse le temps de réfléchir. Pub dans 5, 4, 3, 2. On lance la pub. Résultat des réseaux sociaux, on est à 80% de retweets. Vous pouvez prévenir Claire de charger son arme. Claire ? Est-ce que tu peux prendre l'arme? Nous l'avons rangée côté cour et la donner à Charlotte, merci. Au son, tout est bon? Pas de soucis, j'ai mis un filtre pour que le coup de feu n'éclate pas les tympans de tout le monde. La pub se termine quand? 45 secondes. Parfait. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission de Biggest Loyalty Show. Je vous remémore les faits. Eric, ici présent parmi nous, violeur récidiviste, doit savoir maintenant s'il va mourir. Mais j'ai rien fait, putain! Tais-toi, homme! Puisque la justice populaire est la seule maîtresse à bord, et tu n'es donc pas en mesure de parler puisqu'un homme dans ta condition ne peut que mentir. Bien sûr. Avant de passer à la sentence, je vous propose qu'on lise ensemble les tweets les plus populaires. Le premier tweet nous vient de Whitesnake93. Avec sa tête de bite, pas surprenant qu'il ait fini violeur. Ah 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 ah. Le second nous vient de Laetitia. Bonjour Laetitia. Un homme en moins comme ça dans les rues et je serai rassurée quand je laisserai mes filles aller à l'école et c'est vrai. Nous allons donc mettre un terme à ce suspense insoutenable en découvrant tout de suite les votes du public. Et la survie d'Eric a été favorisée à... 20%. Ah ! Ce qui signifie logiquement qu'avec 80% de retweets, le condamné va être mis à mort. Mais non, j'ai rien fait. C'est une parodie de justice. Il y a 6 ans, personne n'aurait permis ça. Personne.
Oui, mais il y a 6 ans, nous étions en 2016. Et là, nous sommes en 2022. Les choses changent, Eric. C'est la vie, ou en l'occurrence ici, la mort. Les derniers mots du condamné. J'ai rien fait, putain. Et ce sera un hashtag j'ai rien fait, putain! Ça va? J'en peux plus. Je sais. Cette femme... Je la revois tous les jours, toutes les nuits, j'en dors pas, je l'entends hurler, j'en peux plus. Pourquoi t'arrêtes pas tout simplement? Peut-être parce qu'on a un loyer à payer. Écoute, j'ai de l'argent de côté. Quand mon grand-père est mort, ma mère m'a donné une partie de l'héritage. Et si piocher dedans un temps pour que tu trouves un travail, ça te rend heureuse, c'est tout ce qui compte. T'es sûr de toi? Ouais. Je suis sûr. Merci, mon amour. Écris un SMS maintenant. Et dis que tu quittes ce job. Et ce soir, on va manger au restaurant. On t'avait pas déjà prévu un truc? On s'en fout. En plus, je fais cramer le poisson. Ok. Je vais te chercher un verre d'eau. Prends-moi une lèvre plutôt. Ok. Installez-vous.
Qu'est-ce qui se passe? Mais putain, qu'est-ce qui se passe? Installez-vous. Claire Milgram, voilà 100 émissions qu'elle vous fait tuer des gens. Vous, public, qui n'avez pas à vous salir les mains. Elle a été remise entre nos mains pour préjudice moral. Alors, public, voulez-vous la tuer ? Tuez-la ! Tuez-la ! Non, 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 attendez. Normalement, qu'on allait à droite parler, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous voulez dire que ce n'est pas vous, hier, qui avez fait assassiner sur cette même scène Eric Van Der Kove ? Oui, mais ça n'a rien à voir. C'est sous tes ordres que je l'ai tué. Alors je vous repose la question, public. Voulez-vous la tuer ? Mais je suis une comédienne, putain ! Une comédienne avide de sang et de pouvoir ! Nous avons mis un hashtag sur Twitter. Hashtag, voulez-vous tuer Claire Milgram ? Si vous voulez qu'elle meure, retweetez. Si vous voulez qu'elle vive, favorisez. Tout de suite, une page de pub. Désolé. Je suis vraiment désolé. Mais putain, tu fermes ta gueule ! Reste poli et tweet ! Tu peux peut-être encore la sauver. Résultat des réseaux sociaux ? Il y a 60% de favoris et 40% de retweets. Très bien, je dis à Charlotte de ne pas la tuer. Non. Pardon ? C'est non. Et pourquoi ? Alors voilà ce qui va se passer. Tu vas dire à Charlotte qu'il y a 70% de retweets et Claire va mourir. Non, je suis désolée, mais je peux pas faire ça. Alors tu prends ta veste, tes affaires, mais tu reviens pas. Allez, il reste plus que 20 secondes de pub, là ! Charlotte, il y a 70% de retweets. On devait être là. Prenez votre téléphone et votez. C'est le public qui fait l'émission. Cher public, vous avez voté à 70% pour la mort de Claire Milgram. Alors, Claire, un dernier mot ? C'est un hashtag pitié pour ce soir. Super émission, merci à tous. Super émission. Dégagez ! Dégage, putain ! Casse-toi ! Laisse faire le temps. Je te promets, tu oublieras. Bienvenue, gens de tout âge, expulsez votre rage. Ici, on bute des rapures qui rendent nos villes moins sûres. Pas besoin d'innocence, le public comme seule chance. Assis ton corps serré, ta gueule passe à la télé. Yeah! Big Ass Loyalty Show, l'émission.
Je sais, ça semble sordide, mais tu seras récompensé. Biggest Loyalty Show, bienvenue sur l'échafaud.